Non mais tranquille, hein. C'est pas moi qui suis. Ah toi tu filmes, sale chien. Putain, on entend Guillaume rigoler aussi. Comment tu te concentrais? À chaque fois c'est pareil quand on vient à Tourcoing. Ok, hello tout le monde, ça fait un bail avec Elliot qui est passeur à Tourcoing, il est passeur professionnel, qu'on s'est dit viens on fait un petit 1v1, tu me soulèves en vidéo, ça va être excellent. Merci au club de Tourcoing de nous offrir la salle, je pense que tu vas gagner. Je vais voir, hein. Là je sors d'un entraînement bien dur, je me dédouane au cas où je perds, tu vois. Moi j'ai deux parties, tu vois, j'ai une partie de mon ego qui me dit tranquille, ça va le faire, et une partie de mon ego où je me dis bah tranquille, tu vas rentrer chez toi, tu vas chialer. Mais bref, on va s'affronter sur trois exos du volet, la passe, l'attaque et la défense. Vous allez voir, c'est hyper visuel pour ceux qui connaissent pas le volet. À la fin, le père aura un petit gage, mais sors pas une dingue genre tu traces des cheveux. T'inquiète, t'inquiète. Parce que sinon tu ruines ma carrière. Qu'est-ce que je devais raconter encore? Bah ouais, on va s'échauffer déjà. Ah, j'ai trop la flemme de m'échauffer, putain. Oh. Putain, j'ai une dégâts de pêcheur. C'est une catastrophe. Wesh, il est fou ce mec. Eh mais gros, j'ai failli perdre la vie là. Là on va s'affronter sur la passe. On doit mettre le ballon dans la cible de passe. Je pose une question à Elliot, s'il a réussi, bah il a pas de gage pour mettre le ballon dans la cible de passe. S'il a réussi pas, il tourne cette roue. S'il tombe sur rouge, il a un petit duel, enfin un petit défi. S'il tombe sur vert, tranquille. Et s'il tombe sur bleu, par contre, c'est moi qui dois faire le défi qui est écrit sur la carte. C'est good? C'est parfait. Donc Elliot, t'es originaire de l'île de la Réunion? Ouais, c'est ça. Franchement, si tu l'as pas, je pense que ta famille va t'en vouloir de fou. C'est vrai. Est-ce que tu sais combien il y avait d'habitants en janvier 2020 à La Réunion? Je te propose 4 solutions. Est-ce que c'est 540 000, 690 000, 860 000 ou 920 000? C'est pas les deux premiers. Et je dirais 860 000 habitants. Vas-y, ça dégoûte, il est trop fort aussi. C'est quand même chez moi, quoi. Ah oui, c'est quand même chez toi, mais bon, tu connais le nombre d'habitants à Tourcoing? Absolument pas. Bah normal. Même la mère ne sait pas, genre. Ouais, je vais peut-être enlever ça, hein. J'aurais plus d'accès ici. Hein. Eh vas-y, mais ça dégoûte aussi! Ah, là, t'as la pression, là. Je la mets, je la mets, je la mets. Ça fait un zéro, déjà. Comment ça, ça fait un zéro? Ça va faire 1-1, mec, t'es fou. Bah, ça fait un zéro, mec. Ouais, cette question, gros, elle est trop dure. C'est impossible que tu trouves, mais je te le dis quand même. Vas-y. En France métropolitaine, il y a un autre mec qui s'appelle Elliot Coulet. Ton avis, c'est quoi son métier? Est-ce qu'il est chirurgien-dentiste? Est-ce qu'il est pompier? Est-ce qu'il est gendarme? Ou est-ce qu'il est infirmier? Il est chirurgien-dentiste. Mais mec, il est trop fort, il a lu les questions avant ou quoi? Elliot Coulet, tu vois, ça en a dans la tête, tu vois. C'est chirurgien-dentiste, rien d'autre. J'étais sûr qu'un jour, il a tapé sur Facebook, il a dit putain. Ouais, ouais, ouais. Mais mec, mais il est en train de me mettre la bite de fou, là. Bah, deuxième passe, du coup. Non. Alors peut-être. Non. Je vais péter un plomb, gros. Ouais, oh, vas-y, c'est une question sur le Covid. Est-ce que tu sais combien il y a eu de cas de Covid en France? 4 millions, 5 millions, 7 millions ou 20 millions? 20 millions. Mais mec, vas-y, c'est quoi ces questions de merde? C'est moi qui les ai. Je vais péter un plomb. Tu vois, il disait que les lieux de coulée, ils en avaient dans la tête. Il est bon, le mec. Ah, je suis dégoûté, gros. Elle est bonne, là? Elle est rentrée, elle est sortie de l'autre côté, mais elle est rentrée. Donc là, j'ai forcément perdu, en fait. C'est pas dit, hein. Si tu la mets. Je la mets. Elle rentre. Elle rentre pas. Donc là, il a gagné le premier défi. Bon, après, il est passeur pro, c'est normal, il a eu tout bon aux questions. Bah, du coup, on passe au défi de l'attaque. Allez, go. On place une balle en face. Ok. On frappe dessus. On peut la mettre sur le RA. Genre là. Ouais, parfait. Et deuxièmement. Belle sponsor, ouais. Mais vas-y, mais qu'ils ont pas payé. Malade ce type. Tu m'avais dit il y a longtemps, quand on parlait de faire cette vidéo, que t'écoutais Nino. Ouais. Combien de singles de Nino ont été certifiés avant son dernier EP là? Ok. Refé. T'as vu le LV2 espagnol? Si, si, senior. Est-ce qu'il y a eu 25 singles certifiés? 55, 79 ou 105? 79. Let's go. Let's go, let's go. C'est pas la bonne réponse. J'ai vraiment pas envie de prendre ce défi, genre. Eh gros, je vais péter un plomb, il a pas de défi là. Vert, c'est parfait. La prochaine fois, je mets que du rouge, genre. La prochaine fois, je mets même pas de roux, gros. À chaque fois que t'as la mauvaise réponse, tu prends le gage, genre. Oh. Let's go, y a une chance, mec. Y a une chance. Alors peut-être. Y a ça, gros. Bah c'est tout, c'est pas grave. Deuxième question, y a pas de souci, y a R. Mais Elliot, il joue ça intelligemment, il essaye de passer la balle plus que taper dedans. Ah moi j'en ai rien à foutre. Hein. Ouais. Gros, je suis à un stade où moi j'essaye de prouver que je sais jouer au volley et ça s'est pas vu au début de la vidéo, genre. Ok, ok. Deuxième question, du coup, en quelle année a été créé le volleyball? Est-ce que c'est 1857, 1860, 1874 ou 1895? Je suis incapable de te répondre, mec. 1860. Let's go, deuxième roue. En plus là, c'est un défi de. Ah, je veux pas spoiler, mais c'est un défi de chacal, là. Allez hop, oh putain, chaud. Let's go. Alors là, tu devras attaquer sans course d'élan. Ok. Ok. Ça marche. Vas-y, mais il est trop confiant, ça me dégoûte. Pareil, même timing. Vas-y, pareil, demi. C'est passé pas loin quand même. Y a une chance, alors peut-être. En fait, j'ai peut-être arrêté de frapper comme un débile et... Ah mais j'ai pas envie de juste pousser la balle à Dido non plus, tu vois. Oh.
C'est passé pas loin. Dommage. Hein. Et du coup, dernière question. Ouais, elle est trop simple celle-là. Il y a 5 propositions par contre. Qui est le youtubeur français qui a le plus d'abonnés? Est-ce que c'est Cyprien, Squeezie, Thibaut InShape, InoxTag ou le voleur français? Squeezie. Il a même pas entendu la fin de la proposition, je suis dégoûté. Ah, il est encore bon, vas-y. Let's go, il y a un monde, mec. C'est trop cool ça, les plans avec la GoPro par contre. Genre voir la passe et tout. Vas-y, je ressemble à rien, mais vas-y. Tranquille, on filmera pas toi, c'est presque promis. Oh, c'était bien droit quand même, mais bon. Donc vas-y, égalité à l'attaque, mais il a gagné la passe. Hein. Donc on passe au dernier exo du coup, jeu de la manchette. Bah toi, t'en fais tous les jours à l'entraînement en plus. Moi, j'en fais tous les jours dans mes rêves, donc ça va être compliqué. Allez, let's go. Là, mon ref, là, il y a un espoir là. Il y a un monde où je marque au moins un point. Oh, j'ai pas marqué un point. C'est une catastrophe. Hein. Première question du coup. Le premier nom du volet, c'était quoi? Alors, est-ce que c'était la maintonnette, la balichette, la lichette ou la ballonnette? La maintonnette. Vas-y, c'est bon. Bah, du coup, bah, il n'y a pas de tour de roue. Vas-y, j'ai passé 3 heures à mettre des post-it et du scotch hier soir pour qu'il la tourne une fois. Je suis dégoûté. Bon. Pour ceux qui connaissent pas le jeu de la manchette, très simple. On se met de part et d'autre du filet. On se renvoie la balle à tour de rôle. Le premier qui la met en dehors du terrain, dans le filet ou alors qui arrive pas à la renvoyer de l'autre côté, a perdu. C'est bon? Ouais. Je viens de perdre la GoPro, gros, je vais péter un pont. Te blesse. J'ai perdu la GoPro en cours de route, je vais péter un plomb. Ouais, je suis dégoûté, gros. Si je perdais pas la GoPro. Non, je suis un menteur. Putain, fais chier. Elle est trop forte, c'est bon, ça m'a saoulé. Il est en train de rager, je le sens. Ouais, bah il a dit, je cite. Il est trop fort, il va souffler. Je le sens, il est en train de rager. Faut que tu me donnes des questions un peu plus dures. Tu fais le malin. Bon, on a fait une petite pause pour changer la batterie, pour qu'Eliott il se repose aussi. Ok, vas-y, prochaine question pour la deuxième manchette du coup. Dis-moi tout. Combien y a de pays dans l'Union Européenne? 12, 13, 18, 27. 27. Vas-y, c'est bon, vas-y. Elles sont trop simples mes questions, je vais péter un peu. Et pas. Je vais pas gagner un exo. Vas-y, c'est bon, on enchaîne. Question suivante. Oh, vas-y, ça c'est une vraie question. Quel est le prénom masculin le plus donné en 2021? Gabriel, Arthur, Léo ou Nathanaël? Léo. Il va péter un pont, c'est sûr qu'il va péter un pont. Eh, je suis culturé, mec. Il est plein de culture, le garçon. Allez, c'est bon, quoi qu'il se passe, je la gagne. C'est bon. Vas-y. Ça va se foutre. Si je dois vendre ma daronne, je gagne cette balle. Oulalalalala. Florence est en vente sur eBay, gros. C'est trop ça. Ma daronne est en vente sur eBay au prix de 35€. Oh, c'est pas très cher quand même. Donc là j'ai pas mis un point du jeu là. Rends-moi la GoPro. J'efface toutes tes images. Ah, bravo Eliott, il a gagné sur Instagram Eliott Coulé. Bah t'as gagné mec, t'es content? Parfait, je suis très content, je vais trouver un bon petit gage à faire là. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On est quelques semaines après la vidéo que j'ai lamentablement perdue. Ah, j'ai été une merde, hein, on va pas se le cacher. On a échangé un peu sur Insta, il m'a donné mon gage. Je vous affiche la conversation juste là. Il me demande de venir déguiser à un de ses matchs. Bah y a pas de souci mon ref, juste je croyais que j'avais un ami. En plus d'avoir perdu ma dignité pendant le défi, je vais la perdre en direct avec 2000 personnes dans la salle, ça va être excellent. On part au magasin de jouets le plus proche, m'acheter un petit costume et on va se mettre bien. Kelvin merde. Re-bonjour mes amis, je sors du magasin de jouets, j'ai trouvé mon costume. Bah c'est dommage d'avoir une chaîne YouTube pendant 2 ans, de l'alimenter toutes les semaines et de ruiner une carrière en une vidéo finalement, c'est dommage. Voilà comment je viendrai habiller demain à Tourcoing, regardez comment il a l'air heureux. Eh bah c'est pas moi demain hein. Eh bah à demain mes meilleurs amis, super. Bonjour mes amis. C'est une catastrophe. Je vais commenter le match comme ça, heureusement ils ont pas l'image. J'ai perdu un pari, je l'assume. Merci, allez bien. Je suis trop chum sa mère. Mais let's go, on descend sur le terrain, Tourcoing qui a gagné. J'étais pas dans la salle avant parce que j'ai commenté. Ça fait 3-2 pour Tourcoing, let's go. Ok, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Cette vidéo, elle m'a demandé des jours de montage. Franchement, c'est la vidéo la plus longue sur laquelle j'ai jamais bossé. J'ai dû passer facilement une 20aine d'heures, je pense, dessus. Donc voilà, merci à tous ceux qui partageront, c'est super important. Commentez, likez aussi. Et bien sûr, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit apparemment. Petit dicton de daron, là, ça met bien. Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Je vous embrasse, je vous love. Et gros bisous.
veux dire quoi? Je sais pas, t'en penses quoi du niveau de Gérard? Franchement, il a un bon petit niveau, il touche bien la balle, même si des fois il fait un peu des choix merdiques. Va falloir l'entraîner le gamin un peu là, parce que... Il t'en fait quoi du coup de faire un duel contre Gérard? S'il veut souffrir.